Ils sont juste à côté de nous. Comment allez-vous? Oh, wesh. Bon. Tranquille. Ok. Je voulais vous voir et je me suis installé pas loin de chez vous. C'est pour ça que je voulais vous voir. Comme ça, on est calé et vous n'êtes pas surpris de nous voir le plus souvent. Je vais vous C'est-à-dire? donner un peu l'emplacement. On est en 91-76 à 91-80. Au niveau du motel et de l'église. Soixante-seize à 80, c'est où ça? 91-76. Ah ouais? C'est ça. Ça va, les gens du quartier à côté, ils sont ok? Si, c'est ok, c'est clair. Ok. Donc voilà, il vous met au collant là-dessus. Là où on était avant, c'est vraiment de la merde. Donc on a bougé. Et il voulait savoir là aussi si vous êtes, si vous faites du business et peut-être vous l'achetez les sacs ou ce genre de choses. Mais bon, il y a toujours du business à faire. Oui, c'est d'accord, c'est pour ça qu'il vient vous demander. Y a Bien moyen que ça se sûr. fasse, ouais. T'es sur quelle quantité journalière? En vrai, là actuellement, il y a à peu près 400 parce qu'il est vendu aujourd'hui, mais sinon je peux faire 600 par jour, c'est pas un souci. Maintenant, il n'y a pas vous mentir, il n'y a pas que à vous qu'il y avait donné. Ouais. Donc On va pas te forcément, mentir, mais dans tous les cas, on tournera pas 600 par jour. s'il pense aussi. Donc, Clairement, y a moyen qu'on récupère quelques trucs. On en discute entre nous et on dira ça. après, je Voir sais ça. que chez certaines personnes, je donne à peu près 150 par jour. On peut se Ouais. baser sur ça peut être pas mal. Après, je t'avoue que les autres, je leur pousse un peu à la gueule. Je vais pas te mentir. Essayez de donner juste un aperçu. Ils peuvent même en prendre 1000 par jour hein, chez qui veulent. Je t'avoue qu'ils font ce qu'ils ont envie. Hein. S'ils ont pas envie de bosser à côté, ça, c'est leur problème. Mais vas-y, vas-y, carré. C'est comment ton prénom? Louis. Louis, ok. Moi c'est elle, celui du milieu qui te parle. Et d'accord. C'est pas moi le boss, loin de là. Mais on va parler un petit peu avec le boss, avec les gars, mais si jamais on décide d'une quantité fixe, ils tiendront au courant. C'est ok, claro. Et c'est toi qui habitais pas loin là-haut là de 70 28 71 28 je sais pas quoi Si, c'est ça, tout à fait. là. Ouais, ok. Et pourquoi c'est par là-haut du coup? Parce que là-haut c'est trop la galère, il y a des CP tout le temps et c'est chiant, il y a les polices tout le temps et en plus ça a l'air d'être une bonne zone de vente donc pourquoi pas, enfin pourquoi s'installer quelque part où il pourrait faire de la plata. Ok. Par contre, je te le dis d'office. La supérette qu'en 90-94, essaye même pas de la réserver. Ah non, il n'y avait pas les rien du tout. Parce que je suis tombé sur toi Et dans une supérette un coup avec une batte de baseball. d'accord, donc c'est bien toi, il reconnaît ta voix. Et il avait précisé un truc là-dessus, parce qu'il pense que tu n'avais pas compris. Et du coup, il avait l'expliquer mieux. Comme il te disait, il ne empêchait aucunement les groupes de faire la supérette. T'as pas voulu te présenter en tant que membre de gang. C'est ton choix. Maintenant, comme il était dit, il était posé la question, est-ce que tu es un membre de gang? Dans ces cas-là, il était laissé tranquille. Il était dit qu'il prenait les sacs que des petites flaques. Non, le coup là, tu m'as dit, je réserve la sup pour mes PM et les groupes qui bossent pour moi. On s'est pas compris alors, parce qu'il n'a pas dit Après, ça. comme je t'ai dit, tu sais, moi je m'en bats un peu les couilles, tu sais, les mecs qui veulent réserver à droite à gauche. Hein. Comme moi je vais taper. Après, si ça doit partir en couille parce que ça plaît pas à certains, ça te plaît pas, tu vois ce que je veux dire. Ah si, je suis d'accord. C'est bien pour ça justement qu'il n'empêchait pas les groupes de le faire parce qu'il sait que c'est une source de problème.
Et c'est pas l'envie actuelle d'avoir des problèmes. C'est comment votre nom? Les Lobos, c'est ça? Si, c'est ça, les Los Lobos. Peut-être combien à l'heure actuelle? Pour l'instant, Cloître. Ok. Et tes collègues, ils s'appellent comment? À ma gauche, tu as Splay, et à ma droite, tu as Fernando. Ok. Moi, tu verras mon visage, comme je t'ai dit, moi, c'est elle. Donc, ok, ça marche. Mais écoute, les gars, ils tiendront au courant, de toute façon. Après, tant que vous ramenez pas les keufs chez nous, parce que là, il n'y a pas de souci. Hein. Et si c'est pas la volonté de toute façon, et nous on passera là pas au niveau de votre quartier, on passera là pas dans les lieux qui passent aux alentours. Et j'espère que vous ferez pareil de votre côté. C'est pour ça qu'il fait un peu un rendez-vous comme ça pour vous mettre au courant. Vas-y, ça marche. Ok, parfait. Bah écoutez, c'était bon. Dites-moi peut-être si après si vous voulez pas en parler, c'est pas un souci. Et est-ce que vous avez des informations pas à tout hasard sur peut-être de la Loga qui pourrait tourner en ville? Regardez, c'est compliqué pour l'instant. D'accord. Moi. Je peux te partager une info potentielle que j'ai, mais à vérifier. Apparemment, ça peut se trouver à tout moment actuellement. Voilà, j'ai juste ça. Ok. Ben, si vraiment il y a des businessmen dans cette ville, ça sera vite. Hein. Après, si les mecs Et si, pourront effectivement. vite taffer, moi j'ai toujours dit, hein, quand il y a quelque chose de disponible dans une ville, si les mecs ont envie de taffer, tu le sais vite. Si les mecs ont pas envie de taffer et que c'est juste des branleurs, t'es pas au courant. C'est ça. Après, moi, il est celui-là en tout cas, il veut faire du business et comme tout le monde, il veut avoir de la plata, donc pas de souci avec moi, on peut faire du business. Et ça marche. Bon, bah, si c'est Vas-y, tout. c'est carré l'équipe. Ça Vas-y. marche. Eh bah allez, mais bonas. Ouais, ça marche fort, bon les gars. Et buenas. Vas-y. Ciao. Ciao.